Pasteur Karamiri Mamadou Fili. Présent. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre d'État. Un geste qui en dit long. Une reconnaissance et pas des moindres pour services rendus à la nation entière. L'instant est solennel. Les félicitations du chef de l'État, grand maître des ordres burkinabé au pasteur Mamadou Philippe Karambiri, élevé à la dignité de grand officier. L'homme de Dieu apprécie à sa juste valeur cette reconnaissance. C'est une reconnaissance qui va droit au cœur. Ça veut dire qu'on vous suit, on vous regarde. Bon, les gens s'intéressent à ce que vous dites, ce que vous faites. Et je crois dans ce sens-là qu'aujourd'hui, bon, j'ai été honoré par la grâce de Dieu. Je remercie les autorités du pays. Je remercie aussi tous les compagnons de route, tous ceux qui travaillent avec moi. Cela veut dire que c'est toute l'équipe qui a été reconnue et honorée. Donc c'est une grâce pour nous. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons à titre exceptionnel commandeur de l'ordre de l'État. Instant solennel également à la reconnaissance de la nation à l'épouse du fondateur délégué du CIEMIA, élevé au rang de commandeur de l'ordre de l'Étalon. Un geste également salué par le docteur Hortense Karambiri. D'abord, c'est une action de grâce parce que derrière toute distinction, nous croyons que c'est Dieu lui-même qui pousse les hommes donc à distinguer. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce sérieux clin d'œil qui encourage à aller de l'avant. Et je voudrais vraiment être encouragé pour faire encore plus à l'échelle de la nation. Et je dédie donc cette distinction d'abord à Dieu et puis à notre Père spirituel, mais aussi je dédie cette distinction à tous les collaborateurs, tous ceux qui sont autour de nous et qui travaillent avec nous pour que cela soit remarqué par les hommes. Mais nous croyons vraiment que c'est un encouragement pour toute l'église de Eden TBI, mais aussi tous les collaborateurs, tous les partenaires, tous ceux qui travaillent avec nous pour que des actions soient rendues d'une manière ou d'une autre visibles. Je bénis vraiment le Seigneur et je lui rends grâce pour ce qui se passe en ce moment. Fait chevalier de l'ordre national en 2005, officier en 2011, commandeur en 2015 et aujourd'hui grand officier, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, après une riche carrière professionnelle et 50 années de parcours dans le ministère pastoral, ne manque pas de conseils à la jeunesse. Je crois que nous faisons appel à la jeunesse afin que la jeunesse soit une jeunesse militante, combattante, une jeunesse engagée qui travaille vraiment pour le meilleur devenir du pays. Et ils auront des récompenses. Les décorations ne sont pas tout juste quelque chose de folklorique. Tous ceux qui ont été décorés, si vous voyez, ils ont une bonne carrière. Ce sont des gens de la science, du camp militaire, de tous les domaines et qui ont et en tout cas été sur le terrain du développement du Burkina, social, économique. Aujourd'hui, ils sont reconnus, ils sont honorés. J'appelle à la jeunesse à suivre ce chemin-là, aller de l'avant aussi, à travailler, à s'engager et ils verront aussi les résultats dans les années à venir. Rappelons que le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, dont le nom est évocateur dans le milieu chrétien évangélique, au Burkina et au-delà, est le fondateur délégué du mouvement du Centre international d'évangélisation. Ce ministère compte aujourd'hui plus de 400 églises au Burkina Faso et est présent dans 16 pays en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Son ministère est également engagé à travers des actions socio-éducatives et dans l'audiovisuel dont Impact TV est la face la plus visible. Économiste de formation, il a eu un parcours professionnel exceptionnel et a été entre autres directeur général de sociétés d'État, président de conseil d'administration de structures commerciales et aéronautiques. Quant au docteur Hortense Karambiri qui a été distingué, très sensible à l'amélioration de la condition des femmes, elle s'investit dans l'éducation, dans la prévention, la lutte contre l'excision. Alliant compassion et expertise,
Elle a été directrice pour le Niger de la plus grande ONG chrétienne World Vision. Après une carrière bien remplie, elle se consacre entièrement à l'œuvre de Dieu et devient l'une des premières femmes à être consacrée pasteur au Burkina Faso. Auteur de plus d'une centaine de livres, le couple pastoral Karambiri, aujourd'hui distingué, voit à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso ses mérites personnels